Coucou, cinquième jour en Californie. Vous pouvez voir derrière moi, on est hop, un peu plein, on voit Rami. Là. On est au bord de la mer, on est pas loin de San Diego. San Diego dit Top Gun. Et là, ce qu'il y a derrière moi, la maison de Top Gun. De Kelly McGillis dans le premier film. Et aussi, il y a juste la moto là. La moto de Tom Cruise. On peut monter dessus. C'est cool. Donc l'endroit est plutôt sympathique. Et bah, le programme du jour, aujourd'hui on est parti jusqu'à San Diego. Pour que Louise fasse les dauphins, on va nager avec les dauphins, pas vraiment nager, mais elle sera avec dans les dauphins dans l'eau. Je vais payer ça, son petit cadeau. On est à SeaWorld San Diego, où on peut encore voir des spectacles d'orques, de belugas, de dauphins. Chose qui commence à être un peu compliquée en Europe. On va voir ça. Il y a aussi des coasters. Je vois qu'il y a une nouveauté là. On verra si on a le temps de le faire ou pas. Allez, c'est parti!
behavior. We hope this orchid encounter gives you a better understanding. While they are found in every ocean, as you can see, the differences are subtle, but noticeable when compared side by side. Orchids are adapted perfectly to their environments. Alors je sors à l'instant de Manta, un petit coaster bien sympa, bien sympatoche dans SeaWorld. C'est pas les loopings ça, mais c'est quand même sympa, sympa à faire, quelques petites surprises mignonnes, voilà. Bon bah, à recommander, et puis j'attends Héloïse parce que en fait le problème c'est que pas de bagages, des lockers payants, donc on fait chacun notre tour pour chacun de la garde de bagages de l'autre. Bon, on attend, on se voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour faire attraction, donc ça va. Donc voilà. Bon bah, continue.
5 years on average they can get an age. Now, little Seymour here only weight is about 300 pounds, but he is only 5 years old. Hey, wait, Seymour, help me out. I thought our new intern was supposed to help us out with the tour. Oh, hi! I'm here! Oh my goodness! Look at that sea lion, it's amazing! Oh, sorry. Neutron, reporting for my first day. Well, hello there. I'm Dr. Zalopis, yes. And this here is Seymour. Oh, hi, Seymour, and hi, Dr. Focus? No, it's Zalopis. The loaf of bread. Oh, you know what? Okay, I think at some point she'll get it right. I'm not going to get it right. Ah! Why? Listen, I was just telling everybody. I have a confession. I lost the agenda. Okay, lots of different types of fish, but you know what, enough about me. Here we have a special volunteer. Who's our volunteer for the day? What's your name, hon? Paige, very nice to meet you. All right, would you like to feed pie? Okay, so that person has a fish for you. So you can take it. Sure, okay, great. Very nice. So what you're gonna do is you're gonna ask him for that really nice big roar sound. So you're gonna take your hand, you're gonna shoot it right up in the air. Ready? One, uh-oh. Two, three. Okay. That was super cool, but let's do a little dance. So I want you to shake your booty with me, all right? Go ahead and shake it. Shake it. There it is. Okay, that was pretty great. You know what? You've done a great job. He's done a great job. So I think it's time for all of us to take a photo. So you're just going to go ahead and hang out right by the doctor and stand there. Turn around. You're going to squat down. There you go. Hi, he's just going to hang out right behind you. Everybody help us out. And say sardines on the count of three. One, two, three. Sardines. Okay. Freestyle, obviously. It's gone. Gone? Alright, let's try that one more time. Alright, Clyde, do you remember when you were just a puppy? All right, listen, if you guys have seen the otter or see the otter, please just yell really loudly because la petite blague du soir, la mésaventure. Il est 6h. On voulait faire ces gros machins là. Donc il y avait celui-là. Le coaster. Il y avait un autre un peu plus loin et un water coaster. Et bah c'est vraiment. Il est 6h.
parc ferme à 8h et c'est fermé à 6h. On ne peut plus le faire. Et nous, on a fait des spectacles toute la journée. Et voilà. Alors, SeaWorld, entendez-moi. Les mesquineries de déjà faire payer les lockers pour pouvoir ne pas prendre ses affaires. Il n'y a pas de problème. À Universal, c'est gratuit pendant 2 heures. Là, c'est payant. 3 dollars. On voulait faire les genre le téléphérique. 6 dollars. On voulait faire la tour. 6 dollars. Ça fait beaucoup, et je sais plus quoi encore, enfin bref, petite mesquinerie par-ci par-là. Enfin bref, voilà. Donc bah, les coasters, non. Le parfum à 8h, bon bah, on va pas rester, hein. Ça ne sert à rien. On va partir, et puis ce sera très bien. On va aller manger à San Diego. Voilà, voilà. Bon allez, SeaWorld, les spectacles de dauphins, tout ça, porc, sont bien. Mais à part ça, toutes les mesquineries gâchent vraiment, vraiment le plaisir. Bon allez, ciao SeaWorld, à bientôt.